Bienvenue dans le grand quiz du confinement édition 2. Hier, je ne l'avais pas dit, mais il y a des guests. Il y a trois guests dans cette édition. Vous avez vu Rafou Peps hier. Aujourd'hui, vont s'affronter Amine Mathieu et Yass encore, mais ça sera après. Toujours les mêmes lots. Le gagnant remportera un tableau retraçant son parcours offert par Ayam Kamal Hill. Un abonné pourra gagner un set complet de maté offert par la Bombia.fr et Maté Adore Official. Et des ventouses de récupération offertes par Ben Ilouz Ostéopathe. Et ça sera pour le finaliste. Deuxième duel, c'est le choc de la journée. Peut-être même l'autre choc du tournoi, deux légendes de Twitter. Amine Mathieu et qui affronte Yass encore. Leurs followers pensent qu'il y aura 0-0. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il y a 15 questions. 15 questions et une seule réponse possible à chaque fois. Il faut essayer de répondre le plus rapidement possible, sinon on passe à la question suivante. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui, monsieur. J'ai gagné un point. Première question. Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain dans une équipe de baseball? 8? Non. 12? Non plus, c'était 9. 9? C'était 9. C'est une réponse. Ah, une seule, ça va, tu... C'était combien? 9. Ça va la connexion, Yass, ou quoi? J'avais dit 8. Bah ouais, mais c'est pas 9, hein. Ah merde, c'est vraiment pas de chance que je suis un peu déçu. C'est pas grave, c'est l'échauffement, c'est comme ça. Question capitale. Quelle est la capitale du Qatar? Dubaï? Non! Ah, putain. Amine? Du Qatar? Ah oui. Abu Dhabi? Merci, c'était Doha. Oh putain, je suis débile. Mais non, c'était Doha. Un part. 0-0. Attends, mais là, ce qui est en train de se passer, là, t'essayes de nous humilier, en fait, j'ai compris. Eh, j'ai demandé la capitale du Qatar, j'ai pas demandé la capitale de la Mongolie. Comment? Ah, mais là, on est en train de... C'est bien, réponds, même si je perds, au moins réponds à des trucs bien, on est en train de se taper la biche, là, gros. T'inquiète, là, maintenant, ça devient de la coopération, ami. Gros, là, on n'est plus ennemis, parce que là, sinon, ça va être une catastrophe. Troisième question. Comment s'appelle une zone de végétation isolée dans un désert? C'est quoi, c'est... Oh, une toundra. Un oasis. 1-0 pour Yass. Eh oui, monsieur. Eh oui. Mais c'est fait pour nous, Amine. Une oasis. C'est pas ridicule. Excellent. Quatrième question. Qui était le président de la France en 1994? Giscard d'Estaing. Non. Mitterrand. Yass. Non plus, c'était Mitterrand. Mais oui, c'est Mitterrand. Amine a voulu parler trop vite. C'est pas grave. Cinquième question. T'as plus de jus d'orange, arrête de... Ta gueule. Dans quelle ville la prison d'Alcatraz se trouve-t-elle? Alcatraz? Non. Amine. Attends, je sais. Rapidement. L'Argentine. Merci, à San Francisco. Allez. Sixième question. Grave, à deux pays près, combien de pays bordent la Russie? Ah, 11. Combien de pays quoi? Bordent, entourent la Russie. Sont frontaliers, si tu veux. 11 pour Yass? Ouais. Attends, moi je vais dire un truc très facile. C'est pas bon. 8. Non plus, c'était 14. Ouais, mais à deux près. Ah ouais, merde. Ah ouais, 11 plus 2. 11 plus 2, 14. Septième question, toujours 1-0 pour Yass qui fait la course en tête. Qui est loin devant. Septième question, quel film a pour version québécoise Poulet en fuite? Chicken Run. 2-0 pour Yass. Eh oui. Tranquillement. Vas-y, bois. Huitième question. Il vient de se réveiller. Il vient de se réveiller. Non, c'est juste que je en fait j'ai pas mangé. Vas-y, c'est bon, je vais gagner. Ah, okay. Huitième question, il y a le temps de revenir. Comment s'appelle le petit de la chouette? Le moineau? Non. Amine. Le hibou. Je suis pas loin d'accorder un point. Non, c'était la chouette. Tout simplement, il y avait un piège.
Mais t'es un bâtard, toi, en fait, ça y est, c'est compris. Non, mais ouais, je me sérieux. Mais des questions pièges maintenant. Et en plus, on insulte l'arbitre. Mais des questions faciles. Je sais que vous êtes fan de ce groupe. Combien de membres composait le groupe Téléphone? 4. Oui, 2-1. Putain. Ouais, là, j'ai dit ouais, ça. Mais tu le fais pour nous, ami, pour pas qu'on soit ridicule. Bien joué. Dixième question. Oui, c'est pour ça, oui. Dixième question. Qui a écrit Le Seigneur des Anneaux? Oh, sa mère! Je sais pas, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Non, mais je sais. Écrit. J'ai jamais vu. Oh! Ça commence par un T. Oh, c'est horrible. Oh, la vie d'homme, je suis comme un ouf. Je sais. Ah ouais, mais bon, là, c'est trop tard. Donne-lui un demi-point. Il a dicté. Un demi-point. Allez, 2-1,5. C'était Tolkien. Bah oui, Tolkien. Moi, j'étais tôt quelque chose, je savais plus, putain. Onzième question. Quel est le surnom du joueur de foot Javier Pastore? El Flaco. Oui. 2,5-2 pour Amine. Oh, c'est pour moi, j'étais né pour ça. Putain, 2,5, merde. Attends, mais là, ça veut dire qu'il est plus grand choix, là. Ouais. Comment? Il a plus de points que moi, là. Bah oui, il y a 2,5-2, il est devant toi. Hein. Merde. Ok. Dans quelle ville française... Attends, mais t'as envie de faire pipi, là? Parce que t'as l'air de... Non, là, c'est que je me concentre. Yass ou moi? Non, toi, t'es là, t'es en train de... Non, c'est tu vois, c'est pour me préparer à chaque question. Dans quelle ville française a lieu chaque année le Festival International de la BD? Angoulême. 3-2,5. C'est quoi? Mais ça, c'est mon pas... frère. Angoulême, on présente. Ça vient de chez moi, ça. Mais oui, bah c'est plus... Il est bon dans tous les domaines. Hein. Il connaît tous les domaines. Quelle marque produit et vend les petits filous? Nestlé. Non. Les petits filous tubes. Mais des tubes et pas des points. Mais on a... Merde. C'est quoi la... Rapidement, Yas. Danone? Non, c'était Yoplait. Oh. Toujours 3-2,5. Et il reste 2 questions. Vas-y. Quel est le prénom du rappeur NASA? Je sais pas, moi. Voilà, mais... Déjà, qui l'écoute, NASA? Bonne question. Qui l'écoute? Pas ça. Amine, il fait semblant, il sait pas du tout. Mais c'est des questions de fou, ça, wesh. Réponds-toi, Yas, pour moi. Je sais pas. Bah, attends, vas-y, NASA. Il a un sacré prénom, on va pas se mentir. Franchement, il a une tête à s'appeler... Dis l'origine du prénom. Indice l'origine. Je crois que c'est congolais. Je crois que c'est congolais, hein. Mais... Ouais, c'est congolais. Vas-y, C'est un prénom en deux prénoms. Un prénom composé. Jean-Claude. Pas loin, mais c'est pas ça. C'est sûr, c'est Jean quelque chose. Et c'est là qu'il faudra... Bienvenue. Ah, il est... Voilà, il a compris le congolais, mais c'est pas ça, c'était Jean Désiré. Oh, c'est sûr. Ça fait 3-2,5, dernière question. Ouais. Si Amine répond bon, il a gagné. Et c'est pas une question facile, malheureusement. Merde. Vous savez ce que c'est un anagramme ou pas? Oui. Ouais, attends, merde. Par exemple, si... En gros, c'est tu prends les lettres d'un mot, tu les changes toutes, ça fait un autre mot. Par exemple, le mot hirsute. Adixem, c'est l'anagramme de Maxime. Ah, t'as compris, toi. Quel est l'anagramme du mot parisien? C'est quoi cette question, ça? Attends. Si tu changes les lettres, ça fait un autre mot. Attends. Je vous laisse le temps. Mais si Amine répond, il a bon. Et il est qualifié pour le tour suivant. Du mot parisien. Est-ce que vous voulez la... Je vais faire parisien pour me visualiser le truc. Vous voulez la première lettre? Ouais. Oui. C'est un A. Un A. Attends.
Arisé. Hein. Alpin ? Non, ben non, il faut reprendre les lettres. La deuxième lettre. Je sais pas. La deuxième lettre, le mot commence par un A et un S. Aspartame. Non. Comment c'est dur. Oh, je sais. Ouais. Aspirine. Et c'est gagné pour Amine. Amine qui se qualifie pour les quarts de finale. Il a bon, là. Bah oui, aspirine, c'est bon. Excellent. Bien joué, Amine. Hein. Comme quoi, t'es revenu de loin, mais t'es là. J'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai même pas... J'étais pas bien là. J'avais dit aspartame. Ça mérite un demi-point. Bah non. T'as inventé des lettres. Et en plus, t'inventes un mot. C'est ça, en plus. Aspartame, ça existe. Vas-y, toi. Arrête d'inventer des mots, toi. Vas-y, arrête d'inventer des mots, gros. Alpin, qu'est-ce que tu racontes, gros. Ok, bah... Bon, bah, Yass... Avec la conscience tranquille, en tout cas. Yass, merci d'avoir participé. T'étais loin devant, mais bon, t'as craqué, hein. Ouais, j'ai été trop gentil. Attends, parce qu'il y a combien? Il y a 2,5 à 3, non? Je peux le voir. Il y avait... Ouais, il y a 3,5 à 3. Tu vois? Si je t'avais pas donné le demi-point, il y aurait... Il y avait une question finale. Excuse-moi, j'entends pas les... Pardon, c'est qui le prochain... Attends, est-ce qu'il y a une question genre bonus Bah si t'étais allé au terme, j'aurais pu trouver une question bonus, oui. Franchement, Amine, t'as des couilles ou pas? Vas-y, question bonus. La vie de ma mère, vas-y, je te l'accorde. Parce que tu m'as accordé 0,2. Question bonus. Vas-y, question bonus. On va faire une capitale. Ah bah... Oh non, putain. On t'as perdu, là. Mais il a fait une licence d'histoire-géographie. Je suis de jeu... Moi, j'ai fait... J'ai rien du tout. Ouais, ça, t'as fait quoi, toi, Amine? De quoi? C'est on va faire une capitale. On va faire une capitale très simple. On va pas aller très loin. Quelle est la capitale de la Suisse? Genève. Non. Berne. Emma, c'est gagné. Eh oui. C'est gagné pour Yass. On peut pas revenir en arrière. C'est Yass qui se qualifie pour les quarts de finale. C'est gagné. T'as des couilles, tu mets une question bonus. Ouais. Si t'as des couilles, question bonus. Si t'as des couilles, tu fais une question bonus. Fais une autre capitale. Si t'as des couilles. On joue tout sur cette capitale. On joue tout, vas-y. Attends, je bois de l'eau. On joue tout sur cette capitale. Ouais, plus d'échappatoire. Attends, je passe en mode stratège. Je réfléchis à une capitale. Attends, j'arrive. C'est bon. Ça sera le duel le plus long, on va pas se mentir. C'est en mode stratège. Donc là, rien ne peut t'arriver, Amine. Capitale. Est-ce qu'on reste dans les capitales européennes? Capitale de la République tchèque. Prague? C'est gagné pour Yass, qui met tout le monde d'accord. Il est sur Google. Mais Amine, faut réviser les capitales, là. C'est pas possible. Vas-y, là. Mais gros, t'as fait que des capitales. Bah, on a dit, on jouait tout sur la capitale. C'est la capitale de la République tchèque. Ça va, mais tranquille. Tu peux reconnaître ta défaite. Je suis plus fort que toi. Y a pas de problème. Bien joué, Yass. Je suis plus intelligent que toi, je te l'avais dit. Franchement, si t'as des couilles, question bonus encore. Ah, c'est fini. Putain. Franchement, j'aurais dit oui, mais il a dit non. Ah bah non, mais là, c'est interminable, sinon. Yass, en quart de finale. Bravo à toi.